Dreaming so mean, you're the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Oui, allô? Oui, ma petite fille, comment ça va? Ça va, et toi, ton tonton? Oui, je peux venir te retrouver quelque part? Je vais venir te voir, là. Ok, je t'en envoie ma position? Vas-y. À tout de suite. Ouais, ouais, tranquille ou quoi, mec? Oui, bonjour, monsieur, comment allez-vous? Tranquille, et toi, mec? Bah, ça va, tranquille? Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va, et vous? Ça va, moi, toujours, tranquille. Et toi, ça va? Tout le monde va bien. Vous comptez aller en prison récemment? Bah non, je viens de sortir. Vous venez? Bah oui, donc vous avez été en prison récemment. Ouais. Et vous comptez y retourner prochainement? Moi, je compte y aller. Pardon? Ah, tu comptes y aller? Oui. Madame? Ouais, elle t'a répondu, elle t'a dit, par contre, elle compte y aller. Oui. Oui? Non, je suis au PC. C'est... Oui, oui. Oui, oui, voilà. Écoutez, appelez-moi si vous avez besoin. Ouais, bah je vais prendre ton numéro, mec. Oui, oui, allez-y. Eh bien, c'est noté. Allez-y, monsieur. Comment tu t'appelles? 2872, c'est Rick Cooper. Voilà. N'hésitez pas, messieurs, dames, à m'appeler. Eh ben, peut-être que je vais t'appeler. Parce que écoutez, nous sommes deux. Ils ont fait des bavures policières sur moi. Pardon? Les flics, ils ont fait des bavures policières sur moi. Ils m'ont matraqué la gueule, ils m'ont foutu en cellule. Ils m'ont matraqué la gueule en cellule. Donc, je pense que je vais porter plainte. Oui, n'hésitez pas à porter plainte. De toute façon, je me fais souvent arrêter. Délit de faciès, tu connais. Alors, je vais peut-être t'appeler. Messieurs, dames, le but d'un avocat est de vous défendre. Donc, nous vous défendrons jusqu'au bout, si bien évidemment vous êtes en cellule ou si vous vous retrouvez au tribunal. Vous l'aurez compris. Ouais. Mais, pour porter plainte, c'est pas nous qu'il faut voir. Commencez les démarches administratives. Et on s'occupera du reste. Ouais, je vois le délire, ouais. Très bien. Bah, c'est noté. J'ai votre numéro. N'hésitez pas à m'appeler. Et puis, on s'occupera de votre affaire. Et si t'as besoin du plus beau de tous les mécanos, tu m'appelles. Baba. Vous êtes mécanicien? Oh, ça peut être intéressant. T'entends ça, Sterling? Ouais. Et je suis baseballeur professionnel. Du coup, on a un robot. Oui, c'est normal, Sterling. D'accord. Bon, est-ce qu'elle arrive? Yo, tonton, ça va ou quoi? J'étais en train de me dire. C'est bon, j'ai les numéros là, parfait. Je vous appellerai si jamais il y a une galère. Oui, tu viens. J'arrive là, je suis sur chemin. Oh, je la connais, yo, c'est la femme robotique. Ah, très bien. C'est Sterling et Cooper. Oui, c'est ça, les meilleurs avocats de la ville, monsieur. Yo, ça va ou quoi? C'est moi, je vous ai promis de vous vendre un porte-avions, yo. Un porte-avions? Ouais, vous voulez m'acheter des bazookas, des guns, des tanks. Oui, d'ailleurs, on est au niveau de cette affaire, on n'a pas eu de nouvelles de vous. Bah, justement, laisse le bagnole. C'est lui le gérant. On en parlera ailleurs qu'ici, alors, je pense. Ok, y'a pas de soucis, yo. Passez une bonne journée, yo. Vas-y. De même, beau gosse. Oui, un petit écu. Oui, tonton, t'es où? Bah, je suis devant le parking, là, je suis avec Sterling. Ah! Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu veux qu'on te rejoigne quelque part dans un endroit un peu plus discret? Je sais pas pourquoi, mais Sterling, je ne l'entends pas. Sterling? Il va s'en mettre. Fais-moi un petit bisou. Je mangeais ma craquinette. Il mangeait sa craquinette. On va peut-être bouger, tonton. Hein. Oui, bah. Dis-nous où on te rejoint. Bah, prenez une bagnole et je monte avec vous, Pierre, non? Oui, c'est très bien ça aussi. Allez, monte. Et dis-nous où on va. Oh, bon, on peut se poser au bord du lac. Ça peut être sympa. Hein. Je suis jamais allé au lac, mets-le-moi. Bon, t'avais des bonnes nouvelles pour nous? Oui, j'ai un flic qui bosse pour moi. Ah oui, c'est qui? C'est juste pour savoir. J'ai même pas son blase, on fait ça d'une manière... Enfin, excuse-moi, tonton, son nom. J'ai même pas son nom, on fait ça d'une manière assez discrète, donc je pourrais même pas te donner l'information. D'accord. Ouais, ça me paraît suspect. Oui, c'est suspect. J'ai envie d'être suspect ce soir. Oui, je doute de tout, je ne crois à rien et je ne vois rien. Mais oui, bah, continue à manger ta craquinette en silence. Et il y a moyen que, du coup, lui, il puisse m'avoir le procureur assez facilement. Oh, d'accord. Il m'a dit que c'était un énorme connard et que lui aussi voulait sa peau. Oh, ça me fait plaisir. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est moi suspicieux. Oui, doucement en volant. Oui, excusez-moi, est-ce que je me suis enflammé un petit peu? Il m'a dit qu'il se prenait pour le roi du monde. Ah bah oui. Qu'il n'avait pas resté à sa place et que c'était un énorme connard. On te l'a décrit. Voilà, c'est la description parfaite. Descendons admirer ce petit lac. Voilà, tout d'abord. Les filles, il faut prendre en compte une chose. Une seule, les filles, écoute-le. Une seule chose. Et écoute-moi bien. Venez près du lac. Restons pas. Il y a un banc, assoyons nos fesses. Il y a près du lac. Et puis, il faut comprendre une chose. Assoyons-nous. Je suis assis au milieu. Oh, dis-nous. Il faut prendre conscience d'une chose. Le procureur, et puis, est un problème.
ce n'est pas un problème pour Sterling et Cooper, ce n'est pas un problème pour X ou Y. Non, c'est un problème pour la population. Voilà, exactement, c'est un problème pour la ville. Il est incompétent, il est arrogant, orgueilleux. Oui, et donc on est bien d'accord que si je le net... enfin, si je fais du nettoyage, ce sera un service pour Los Santos. Exactement, ma chère Ebony. Tu as une colique. Oui, j'ai du diabète de type 2. Écoute ma petite fille, voilà, c'est annoncé, je voulais vous le dire depuis le début. Oui, prends ton insuline, Je sais pas. Ça va, tonton ? Oui, ça va. Oui, il va bien. Je commence à avoir des étoiles, mais bon, je manque de ça. Sinon, t'emmènes à l'hôpital, c'est... Non, ça va aller, ma petite fille, ça va. Ta piqûre d'insuline. J'ai ma petite piqûre. Donc, est-ce que tu penses pouvoir t'en occuper ? Attends, bon, je vois que tu ne veux pas te mettre en face de nous. Oui. Est-ce que tu peux t'en occuper jeudi ? Ouais, jeudi, c'est bon pour moi. Comme ça, c'est temps de mettre en place un plan et faire les choses bien. Parce qu'on parle quand même du procureur, hein, on ne parle pas du pécno du coin, quoi. Jeudi, c'est demain. C'est demain selon... Bah oui, bah, il fait nuit en même temps, Sterling, c'est normal. Bah oui, il est minuit passé, la Cooper. On est mercredi, là ? On est quel jour ? Là, on est mercredi. Bah, nous sommes mercredi, ma petite fille, voyons. Ok, bah c'est bon pour moi. Ça, c'est les jeunes. Cooper, ils se couchent à pas d'heure, ils savent plus quelle heure il est après. Mais... Je vais pas m'asseoir, cette place est prise. Oh, moi aussi, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est le type 3. Elle a été réservée. C'est la fatigue, ça, les tontons. C'est... Nous avons fait un sacré plaidoyer tout à l'heure, il faut le reconnaître. Oui, ça, il faut reconnaître que nous avons... Vous avez défendu qui, déjà ? Le banquier. McCormack. Et nous avons gagné haut la main. Oui, nous avons gagné haut la main. Et au sujet de cette petite avocate... Nous l'avons humiliée. Oui, nous l'avons humiliée. Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut l'utiliser ? Rouskov, quand tu as donné l'argent aux Autrichiens... Oui, c'est pas très poli, donc. Rappelle-leur bien qu'il a eu de l'aide... aussi pour sortir du commissariat. Fais ton insuline. Excusez-moi les tontons. Oui, ma petite Evie, est-ce que tu peux pas utiliser l'avocat qui est un de ses points faibles étant donné qu'ils sortent, ils sont de connivence. Oui, ils sortent ensemble. Soit je m'occupe d'une avocate dont on s'en fout concrètement. Est-ce que tu copules en ce moment avec quelqu'un? Non, mais c'est un appât. Ou alors je me tague directement au gouverneur, on lui coupe les couilles. C'est fini, oui, comme non, ça, justement. Il se reproduira pas et il fera pas d'enfant de putain, quoi, tout simplement. Oui, mais il peut adopter, mais... Prenons pas de risque, éliminons. Donc, je pense, tonton et tonton, que demain, on passera directement par la case procureur. Hop, je lui arracherai quelques chicots. À ce sujet, on aimerait être témoin de l'ombre. Vois-tu ce que... C'est ah, bien sûr, un endroit, nous, on est habillés, bon, différemment, et on observe. On ne dit rien, hein, on ne dit rien au Cooper. Et puis on moi, je lui expliquerai que c'est un énorme connard, que pour le bien de l'Amérique, il devrait quitter son poste, qu'il n'est pas capitaine de police, mais simplement procureur, et qu'il est une abomination pour la nation et pour la justice. Est-ce que tu peux lui briser la mâchoire de façon à ce que quoi il parle, il ait l'air d'un gogol ? Oui, bien sûr. Voilà, ouais, oh, il n'y a pas besoin de lui briser la mâchoire déjà quand il parle. Oui, non, mais j'ai envie de l'humilier. Cooper, oui, je veux que ce soit humilié. T'as l'air très énervé ce soir. J'ai la rage, j'ai la patate. Oui, je vois ça. Pourquoi ce soir vous avez encore une altercation avec ce trou de balle ? Vaut mieux pas. Laisse-moi te dire, vaut mieux pas. Bah d'ailleurs, on va aller voir le commandant pour lui mettre un petit coup de pression, mon Sterling. Oui, ça me plaît comme idée. Cooper. Oui, bah lui, vous devriez parce qu'il a des tonnes de ripoux dans ses rangs et ça le dérange pas et il adore ça. Donc. Est-ce que tu as son numéro, commandant ? Alors non. Dis donc, Ify, tu vas pas nous croire, j'ai une anecdote à te raconter. Dis-moi. Figure-toi que nous étions de point sur acheter une arme avec tonton, et soudainement nous avons entendu une explosion. Et figure-toi que c'était un hélicoptère de la police qui s'est crashé juste au-dessus de nous, ma chérie. Et bah ça, pour moi, c'est un signe du destin, les tontons. Pourquoi ? Parce qu'à mort la police. D'ailleurs, ma petite Effie, est-ce que tu sais où on peut se procurer des armes de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ? Ouais, doucement, c'est le type 2, juste oui, catégorie 1. Oui, catégorie 1. C'est-à-dire, vous voulez quoi comme arme ? Un truc qui fait mal, quand même. Kalachnikov, fusil à pompe. Non, doucement. Non, c'est le type 2. C'est le diabète. Je vais prendre l'air. Prends l'air. Non, mais disons un petit. Il va bien ? Oui, non, il va bien. C'est le procès. Il est comme ça. Quand il gagne un procès, il a tendance comme ça à être très enthousiaste. Bah, il y a l'armurerie. Vous pouvez acheter des armes à l'armurerie. Mais figure-toi qu'on a vu pas de vendeurs. On n'a pas vu de vendeurs. Il faut généralement mettre un petit message sur Twitter. D'accord, mais nous le ferons. Et là-bas, tu peux avoir un petit Beretta. Voilà, un petit. Non, mais un petit Beretta, un petit Uzi, un petit fusil. Ah, un petit Uzi, ça va être difficile parce que là, il fait passer par la case vendeur d'armes. Généralement, il se planque dans les bas-fonds. D'accord. Ça va, tonton ? Oui, ça va, je prends un petit peu le... Attention, Sterling. Ça lui a réfléchi les idées, je pense. Tu es tout mouillé, Cooper. Oui, je me grille une petite clope, là. C'est ce fichu diabète qui me rattrape. Ça va aller, mon tonton. Son ton d'insuline. J'aime bien les petits bisous dans le cou. Là, c'est son taux sanguin pénétien qui remonte. Ah, mais vous êtes dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il en Sterling ? C'est mon tonton. Pénal, je voulais dire. Pénal. J'ai confondu les mots. Tu m'as donné envie d'arrêter de fumer. Voilà, j'ai envie d'arrêter de fumer. On arrête de fumer. Bon, je suis bien de Est-ce qu'on te dépose quelque part, mon petit effet ?
Ouais, parking. Allez, allons-y. Et nous, on va aller parler au commandant, s'il est là. Moi, j'ai des infos qui peuvent être croustillantes pour vous. Oui, dis-nous. Au sujet du FBI, il serait sur des actes de torture sur des civils. Pardon ? Oui, le FBI. Peut-être potentiellement un meurtre aussi, ils sont un petit peu dans le style on fait notre loi et on s'en fout du reste. D'accord, et qui... Il crèche où, tu sais que c'est le procureur qui est censé enquêter sur eux. Super, il y a tout qui va bien. Ouais, c'est Azad Bezler, celui qui est le plus présent généralement du FBI. Non, je pense même que c'est un haut gradé du FBI. Et où crèche-t-il ? Nous allons rencontrer ce monsieur. Je sais où est le QG du FBI, mais vous lui parlez pas de moi, d'accord ? Non, et puis nous sommes des professionnels. Oui, la déontologie, et puis... Enfin, nous avons une pratique courante, et puis... Ça sert un peu nous insulter que de dire cela, et puis... S'il vous plaît, tout de même. Bah oui. Voilà ma petite fille. Tonton ? Oui. Si un jour je vais adopter, tu sais comment ça se passe ? Bah oui. Waouh ! Pourquoi donc adopter ? Mais pourquoi veux-tu adopter ? Un petit chien peut-être. Bah tu sais que avec mon accident, je peux plus trop avoir d'enfants. Oui, mais est-ce que t'appelles ça un accident, le fait de t'éventrer Non, j'ai eu un autre accident après les tons. D'accord. D'accord. Et tu veux adopter Doberman, je pense. Non, j'ai déjà un chien. Il faut pas tuer des gens pour adopter. Bah j'ai songé potentiellement à ouvrir le ventre de la présidente et récupérer son gosse, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Tu peux nous en dire plus sur la présidente? Je sais pas, quand je me suis fait arrêter par le FBI et que j'étais dans les geôles de leur cellule, elle s'est amusée à me regarder comme si j'étais un singe et à me lancer des cacahuètes, cette pute. Elle vous a vraiment lancé des cacahuètes? Non, mais c'était plus imagé, tu vois. Parce que là, les tontons, je suis un peu dans une situation délicate. Vous savez que ma prime a augmenté à 3 500 000. Il faut qu'on parle. Ouais, vous allez me balancer, c'est ça? Mais non, pas du tout. Faut qu'on parle de procédure. Tu crois que je peux balancer ma nièce comme ça? Non, je me doute, bon, t'es pas comme ça. Pour 4 millions, à la limite, j'ai réfléchi, mais quand même, 3 500 000, ça vaut. Non, il faut que je parle à. Il faut y aller. Ok, à plus tard. Et vite, t'es fatigué, tu sais, parce que tonton, elle a. Oui, mais une bonne prime quand même. 3 millions, ça sent bien. 3 millions, on va réfléchir doucement mais sûrement. Écoute, au pire, elle se fait arrêter, on la fait sortir, mais on touche la prime entre temps. Ça, c'est une bonne idée, ça. Oui, voilà. C'est... Qu'est-ce que tu ferais avec 3 500 000? C'est une bonne question, Cooper. Je dois t'avouer que je n'ai pas réfléchi. Au fait, avons-nous encore la maison? C'est une bonne question, Cooper. Je dois t'avouer que je n'ai pas réfléchi non plus. Le directeur de l'agence immobilière est-il encore en vie? C'est une bonne question, Cooper. Je dois t'avouer que je n'ai pas réfléchi. Bien sûr. Je comprends bien. Tu penses que le commandant est là? C'est une bonne question, Cooper. Je dois t'avouer que je n'ai pas réfléchi. Mais oui, mais fais une petite pub tiens sur Twitter. Bah voilà, il n'y a personne. Oh là là, j'ai une petite... Il y a peut-être une petite solution là. Attends, il y a du monde. C'est moi, c'est ici les gars. Oh, monsieur les... Oh, voilà, voilà, de le bello. Bonjour, monsieur. Pardon. Bonjour. Tout va bien, hein? Ça va bien, monsieur. Ça va bien. Bonsoir, cher confrère. Tout va bien, Oh là, doucement, messieurs. Bene, spaghetto. Comment allez-vous, mes amis? Des pizzas, des pasta. Prosciutto. Vous venez de quel barreau? Du gros barreau de la justice, monsieur. Nous sommes Sterling Cooper. Un doigt. Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Ravi de vous connaître. Votre gros barreau, j'aimerais bien le barreau de Milano. Oui, est-ce qu'il y a des agents ici, monsieur? Nous venons d'Italie, nous. Si, ils sont à l'intérieur. Monsieur l'agent. Du coup, votre plainte, elle a actuellement été prise en compte. La plainte de leur côté aussi. Du coup, il faudra que vous ayez un avocat. Un avocat, pas 50 000. Ouais. Un avocat que vous prenez. Vous serez convoqué plus tard dans la semaine. Ça marche. Eux, de leur côté aussi, seront convoqués et ça partira en procès. Ah, carrément, par contre, procès là. On va vous demander procès, de... Oui. Vous avez besoin de bons avocats, monsieur. Nous sommes des anciens avocats. Monsieur, je vais vous demander de ne pas parler. Non, mais de bons avocats. Attendez. Hey, messieurs les avocats, je peux vous poser une petite question? Allez, c'est normal qu'on parte en procès parce que j'ai frappé un véhicule? Non, c'est pas normal, c'est pas un procès. Okay, merci. Au mieux, c'est une amende, tout simplement. On est d'accord. Vous savez pourquoi ça part en procès? Parce qu'ils veulent lui péter le conseil. Parce que je suis le patron du conseil auto, il cherche un moyen pour me péter le conseil. Qui veut vous péter, monsieur? Qui veut vous péter, monsieur? Non, mais en fait, à quel moment on parle d'une destruction de bien public, d'une voiture qui part en procès, en fait? Ça ne doit pas aller en procès. Il n'y a pas de procès, c'est fini. L'affaire est finie, monsieur. Laissez mon client tranquille, s'il vous plaît. C'est bizarre, là. Monsieur Sterling Cooper, avocat gros parole, laissez mon client tranquille. S'il vous plaît, c'est notre client tranquille. Voilà, allez bouillir, monsieur. Voilà, il vous voulez pas partir en procès, pas de soucis, mais dans ce cas-là, vous équitterez une bonne amende. Les amendes ne sont pas variables, hein. C'est une amende. Oui, c'est pas au choix, monsieur. C'est quoi ça? C'est quoi cette négligence de la police? Vous pouvez vous taire. Non, je ne me tais pas, monsieur. Je ne me tais pas. Vous voulez que ça avance ou pas? Liberté d'expression. Vous commettez quand même quelque chose de très grave envers mon client. Est-ce que vous voulez que ça avance ou pas? Oui, mais ça va avancer intelligemment, monsieur. Mais mettez une amende qui ne monte pas trop. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc commencez à parler, vous inquiétez pas, je peux parler au-dessus de vous.
vous aussi, je peux n'hésitez pas à respirer. Oui, mais si c'est pour dire n'importe quoi, ça sert à rien. C'est une discussion, c'est une discussion. Vous m'écoutez, je vous écoute. Vous me coupez la parole, vous coupez la parole. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder. Si vous n'êtes pas content, il y a des escaliers, des voitures. Vous pouvez retourner sur votre chemin et partir. Et celui qui vient de me dire ça, porte tes couilles, il vient devant moi. On va voir si tu continues. Bon, est-ce qu'on peut avancer sur le sujet, s'il vous plaît? Oui, moi, écoutez, monsieur, dressez-lui la bande. Moi, c'est ce que je veux, mais dites à vos avocats qui discutent au lieu de monopoliser la parole. Oui, bah, pas de soucis, je vais faire au mieux pour avancer. 89 topo, s'il te plaît, on peut juste ce que tu m'expliques. Ils veulent pas partir, ils veulent pas partir au procès, ils disent que ça sert à rien. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que la loi l'interdit. Mais oui, en fait, c'est ça, en fait. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je vais pas partir en procès parce que j'ai frappé un véhicule. On est où là? Non, mais vous mettez la bande et on en parle plus, monsieur, s'il vous plaît. De ce que j'ai compris, il y a des torts des deux côtés. C'est ça. Ok. Sauf c'est que il y en a un qui dit A, l'autre qui dit B. Moi, j'assume avoir frappé sa voiture et lui, il a avoué devant la présidente, devant des agents du FBI et devant un témoin devant la banque qu'il avait volé ma moto. Donc, il n'y a, oui, a pas de cachotterie. Sauf que dans plainte, ouais, ils disent très clairement que Lucius vous a dit plusieurs fois qu'il ne vous avait pas volé votre véhicule. Ah bah, il ment. C'est pour ça, mais c'est pour ça justement que je vous dis. C'est pour ça qu'on va partir au tribunal. Non, pas de procès, vous le convoquez. La présidente, elle est sur serment, elle a pas le droit de mentir. Ok, elle a pas le droit de mentir, mais. Si elle ment et qu'on n'a pas de preuves, on peut pas le savoir. C'est pour ça que malheureusement. Oui, mais elle n'a pas le droit de mentir, c'est une présidente, monsieur. Oui, c'est... mais on ne sait pas, nous, si elle ment. Mais dans ces cas-là, ça s'appelle une enquête. Mais oui, elle ne peut pas. Je comprends pas, en fait. Mais parce que c'est en dehors de toute déontologie, monsieur. Nous sommes avocats. Par exemple, je peux vous parler en privé, j'aime 2 mètres plus loin, s'il vous plaît. Non, seulement avec ses avocats, seulement, monsieur. Seulement avec ses 5 avocats. Allez-y, faites comme si j'étais tout seul et personne ne dit rien. Je vous écoute. Okay. Du coup, en gros, le problème, c'est qu'il a dit qu'il refusait, vous voyez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, là, comment ça va se passer, c'est qu'il y aura forcément une procédure au tribunal, vous voyez. Il le sait, il refuse quoi? Il conteste le fait d'avoir volé votre véhicule. D'accord. Et si j'ai un témoin qui stipule qu'il a bien avoué qu'il a volé ma moto, l'autre? Malheureusement, s'il continue de nier malgré que vous ayez un témoin, ça partira quand même au tribunal, et dans ce cas-là, votre témoin témoignera. Et ce sera en votre faveur. C'est-à-dire que si la présidente est appelée à la barre et qu'elle dit que c'est faux et que mon témoin vient et dit que c'est vrai, il va se passer quoi? J'entends des appels depuis tout à l'heure, Cooper. Honnêtement, d'un point de vue objectif, hein, vraiment, moi je suis pour aucun parti. J'ai horreur du gouvernement qui s'en prenne, qui pète plus haut que leur cul. Mais je vous dis ouvertement, c'est une présidente, je sais pas. En fait, le problème, Monsieur les avocats, c'est que actuellement du côté de la présidente, ils ont 3 témoins et votre client a 1 témoin. Problème, c'est que les témoins disent A et le témoin de Monsieur Chico dit B. Oui, mais la présidente, si la présidente était témoin, la présidente ne peut pas mentir, en fait, messieurs. Oui, c'est la plus haute autorité de la vie. Oui, ok, la présidente ne peut pas mentir. On parlerait de parjure et de destitution. Dans le cas de figure où celle-ci ment et que nous n'avons pas de preuves pour la contredire, forcément, aux yeux de la loi, elle dira la vérité. Attendez, j'ai un témoin là. Lui, là, le garde du corps de la présidente. Non, tu peux confirmer du coup? Vous allez bien tout le monde? Ouais, non, ça va pas trop là. Ils veulent m'attendre en procès là. Ben, le problème c'est que peu importe en fait l'histoire, c'est que t'as pas à frapper. Oui, je suis d'accord, mais on est d'accord qu'il avoue avoir volé ma moto. C'est deux histoires différentes. Là, on parle du vol de la moto, pas de. Attends, 2 secondes. Ah, pour le vol de la moto, moi je suis pas au courant. Moi je suis vraiment pas si. Vas-y, t'es corrompu. Il a bien dit ça. Flemme des mecs corrompus, la pute de ma mère, ça m'énerve. Tous des corrompus, tous des sans coupe. Mais comment ça? Je comprends pas ce que tu veux dire. Il a fait quelle moto? J'ai bien l'impression que ça. Wow. Oui, son histoire n'est pas. Est-ce n'est que vous pas... pouvez pas juste mettre une amende et on en parle plus? Mais mettez une amende et c'est réglé. Mais en fait, le problème, on peut faire ça, mettre une amende et c'est réglé. Mais est-ce que vraiment vous voulez vous arrêter là? Parce que si vous avez vraiment volé votre véhicule, dans ce cas-là. Qui aurait volé votre véhicule, monsieur? C'est monsieur Lucius Lovecraft. Durant l'événement Chasse au trésor, je suis descendu au cimetière pour rentrer dans l'église et quand je suis revenu, il a volé mon véhicule, il s'est barré en marchant. Ben voilà, portez plainte contre cet individu. Mais ça sert à rien, c'est la parole du président, personne ne le croira. En fait, monsieur Chico. Pas le rapport avec le président. Non, ce que je voulais faire, c'est ne pas vous amender, réduire votre sanction, enfin, votre peine, entre guillemets, votre amendement, ou je ne sais quoi, suite à dégradation du véhicule, si j'ai bien suivi. C'est combien l'amende? Je l'ai pas en tête, c'est pas moi qui gérais l'affaire. Où avait lieu ce vol, monsieur? En gros, je vous explique. J'ai fait une chasse au trésor. Pendant cette chasse au trésor, Lucius m'a volé ma moto. Ça, monsieur. Ne faites jamais une chasse au trésor. Non, mais regardez, il va voler ma moto. Quand je l'ai croisé à la banque, je lui ai dit, la prochaine fois que tu voles ma moto, tu vas voir. C'était une menace, comme quoi j'allais porter plainte si on faisait ça, parce que c'est pas normal. D'accord, oui. Ensuite, ça s'est méché devant, c'est parti en cacahuète, il m'a manqué de respect. Et moi, vu que ça m'a énervé, j'ai frappé sa voiture. Et lui, il a porté plainte parce que j'ai frappé sa voiture. D'accord, et ce vol de moto a lieu où, monsieur?
Quoi, devant l'église du cimetière. Devant l'église du cimetière. Est-ce que vous pouvez confirmer s'il y avait des caméras ou non, monsieur? Bah, faut aller voir sur place, il y a des caméras. Faut aller voir sur place. S'il y a des caméras, effectivement, mais il me semble effectivement qu'il y ait Il y a des caméras. Oh, merci. Non. J'ai dit que j'étais pas sûr, mais il me semble qu'il y a une caméra au niveau de l'église. Vous dites très clairement qu'il a commencé à vous manquer de respect et à vous narguer, qu'il a confirmé qu'il a volé votre véhicule. Seul problème, c'est que dans leur plainte à eux, ils disent que très clairement, il vous a pas manqué de respect, et à aucun moment il vous a nargué, et c'est vous qui avez commencé à vous chauffer. Ah bah forcément, il a nargué. Justement, c'est pour ça que là maintenant, je peux pas prendre parti, mais sachez que si vous partez en procès, si la moitié des il nous prend comme avocat, il gagnera. Et que, voilà, alors tant mieux, prenez-le comme avocat, partez en procès, et sachez une chose, si madame la présidente ment et que ça se sait, vous savez qu'elle sera destituée de son poste. Vas-y, on part en procès. Compte de voix, monsieur. Donc, on part en procès, donc, go. Donc, vous voulez partir en procès? On part en procès. Parce que moi, je trouverais ça On part en procès, j'en ai rien à foutre. Les avocats, regardez, on va montrer, on va la faire à la barre, faire en sorte qu'elle mente, et ensuite, on va sortir les preuves comme quoi elle a menti, c'est bon? Doucement. Vous confirmez bien, monsieur Chico, que vous voulez partir en procès? Je sais pas, en fait. Je risque quoi? En fait, vous risquez rien. Bah écoutez, puisque si vous avez menti, vous risquez final, la prison quand même. Hein. Ça risque plus. Non, mais moi j'ai pas menti, moi. Moi j'assume avoir niqué son véhicule. Mais si vous êtes sûr d'avoir toutes les preuves assez solides. S'ils partent en procès et que monsieur Chico perd pour destruction de véhicule, à aucun moment il partira en prison. Il les quittera d'une amende, mais il n'ira jamais en prison. Hein. Sachez que c'est interdit par la loi de le faire partir en prison puisqu'il a perdu un procès suite à une destruction de véhicule. Ah, si c'est pour une destruction de véhicule, prenez l'amende, monsieur. N'allez pas en procès pour du coup. Ouais, mais moi j'ai pas envie de laisser faire parce que c'est la présidente, c'est le mari de la présidente en fait. Parce qu'il pèse la présidente, c'est bon. Avez-vous des preuves qui pèsent la présidente? Parce que je veux les voir, monsieur. Bah oui, tout le monde sait qu'il voit les fichiers. Avez-vous des photos, des vidéos, des petits trucs? Oui, des vidéos. Oula. Bon, on va se calmer. On fait notre travail, monsieur. On connaît la loi. On fait notre travail. Vous savez quoi? Je vais payer l'amende et lui, je vais le choper. Non, monsieur, ne dites pas ça devant la police. Parce que le problème. Non, c'est une bonne idée, mais ne dites pas ça devant la police. Non, c'est pas parce que je suis policier que forcément je vais l'arrêter là. Directement. Le problème, c'est que si vous payez l'amende et vous vous retrouvez à lui faire du mal, le problème, c'est que là, ce sera vous le fautif. Et là, effectivement, vous acquitterez peut-être de la prison. Là, maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'avec monsieur l'avocat ici présent, qui a l'air d'être un très bon avocat, je vous conseille de partir très clairement au procès. Et sachez que si madame la présidente ment, elle sera destituée de son poste, son mari quittera d'une grosse amende. Et elle aussi. On va effectivement regarder les caméras, effectivement s'il y a une caméra, s'il y a des preuves. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est votre choix. Soit vous partez en procès, soit je vous mets une amende. Je vais en procès. Vous voulez partir en procès? Monsieur les avocats, on va en procès? Bah, vous avez de l'argent? Monsieur, je sais pas s'il y a des. Vous avez dit quoi, monsieur? Vous avez de l'argent? Mais ça a eu lieu. J'ai quoi? De l'argent, monsieur. De l'argent, c'est pas gratuit. Comment ça? Mais il faut payer l'argent. Nous sommes avocats, monsieur. Nous sommes pas des peintres. Vous prenez combien? Vous prenez combien? 89. On prend 100 000 chacun. 200 000, monsieur. 200 000, vas-y. Attends, 70. Comment ça 200 000, vous êtes malade? On est avocat, monsieur. Monsieur, bah, 200 000, vous êtes les meilleurs avocats? Êtes-vous au courant de l'affaire que nous avons gagnée cet après-midi encore? Non, mais de base, j'ai déjà l'avocat. Monsieur, si vous voulez perdre votre procès, allez-y avec vous. Bah oui, mais allez-y. Non, c'est Amadeus. Est-ce que on vous avez 200 000 pas, il n'existe pas ici. Est-ce que c'est 200 000 si vous gagnez le procès? Oui, monsieur. Oui. Ah, non, il y a la prime, monsieur. Quoi? Il y a la prime si on gagne le procès. Mais en fait, autant que je paye l'amende. Vous faites ce que vous voulez, monsieur. Non, mais là, c'est on part en bagarre pour. On parle contre une présidente, monsieur. Contre une présidente, c'est là le projet, c'est la destituer, hein, si jamais elle ment. Voilà, et on prend pas un procès pour juste une histoire d'amende à faire sauter. Si jamais vous aviez raison, dans ces cas-là, c'est la police qui doit vous aider, au pire, à payer évidemment des avocats voilà, en cas de gain d'affaires, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Et alors, pourquoi attendez, monsieur, pourquoi vos avocats ne vous disent pas tout ce qu'on vous a dit là depuis tout à l'heure? Parce qu'ils sont pas là. Oh, je sais ce que je vais faire. Non, mais quand ils étaient là, ils étaient pas très... ils ont pas été là. Je sais ce qu'on va faire. On va appeler Lovecraft. On va d'abord lui demander est-ce qu'il a volé ma moto, et s'il dit non. Là, on sortira les preuves et on partira en procès. Parce que si on part en procès, il va directement dire oui, ce petit malin là. Donc, non, faut le convoquer maintenant. Est-ce qu'il y a des caméras place des queues? Oui, normalement, ouais, il y a des caméras partout. Renseignez-vous. Et bah, s'il y a des caméras, bah, c'est bon, de toute façon. Oui, venez, Cooper. Oui. Il se démerde. Oui, c'est une longue histoire pour pas grand chose. J'ai rien à foutre. On va lui demander, mais attends, on devait parler au commandant quand même. Oui. Parlons à la police, demandons à un commandant, et puis lui, il se démerde avec ses avocats.